possible de le faire. Mais si vous étiez une chanson, je dirais que j'allais être la politique France-Africa, c'est du blague étudié. La politique America, j'allais être France-Afrique parce que c'est un titre qui a attiré l'attention de la jeunesse africaine sur le pillage du continent par la France, et je pense que cela doit s'arrêter. Si vous étiez un instrument de musique, j'adore le trombone, le son du trombone. Pense à une voix d'homme, quoi. Ça, si vous étiez un animal, j'adore les animaux, j'aime bien les biches. Quand tu arrives chez moi à la maison, à Bamako, j'ai des biches sauvages à la maison. Et un personnage historique, Nelson Mandela, combat historique, combat pour... combat avec toutes les convictions. Et donc, Nelson Mandela, si vous êtes sportif, bon, je vais supporter, je vais prendre un sportif d'actualité, Didier Drogba, c'est notre fierté aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est la fierté des Africains aussi. Un lieu, j'adore l'île Maurice, j'allais dire l'île Maurice, l'île merveilleuse. Il y a quelque chose qui m'a marqué ici, c'est la verdure. C'est la verdure, tu vois, je pense que il faut quand même... Je sais qu'il y a des associations qui se sont battues pour que l'île garde cette verdure-là, et ça, c'est formidable. Et si vous étiez un mot, je dirais égalité. Si vous étiez une qualité, je dirais persévérance. Parce que moi, j'ai commencé la musique dans un petit village, à 850 km de télé et des radios, et j'ai fait des concerts dans la région que j'ai vue, où je vivais. Et après, je me suis rapproché de télé doucement, donc je dirais la persévérance. Un défaut, c'est j'ai confiance à tout le monde. C'est ça mon problème, c'est que j'ai confiance à tout le monde, donc je me fais avoir très souvent. En tout cas, là, si vous pouvez changer un événement dans votre passé... je pense que si je pouvais changer un événement dans mon passé... Mon passé, je considérais tout ce qui s'est passé dans mon passé comme le chemin pour arriver là. Donc, tout ce qui s'est passé, je le prends un peu positivement. Donc, je n'ai pas vraiment beaucoup de choses à changer dans ce qui s'est passé. Le métier que vous aurez aimé exercer, je pense que j'ai la chance d'exercer un bon métier. Je pense que si je devais mourir et renaître, j'allais encore prendre la guitare ou bien le micro. Donc, la musique. Quel métier auriez-vous souhaité que votre enfant exerce? Je ne souhaite pas de métier pour mon enfant. Ce que je souhaite pour mon enfant, c'est qu'il fasse un métier qui lui plaise. C'est ça qui est important. Hein? C'est qu'il fasse un métier qui vous plaise. Si vous rencontrez Dieu, que lui direz-vous? Je lui dirai de nous parler maintenant parce qu'il y a trop d'injustice, il y a trop d'inégalités et que... il n'y a que lui qui pourra nous parler maintenant, voilà, pour essayer de mettre un peu de justice dans ce monde. Voilà.